aujourd'hui on est de retour à Lacanau, à l'Ardilouze, pour jouer le retour. J'ai joué l'aller sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas encore vu, bah, allez-y, c'est l'occasion. Aujourd'hui, on joue le retour sous un soleil énorme. Il fait froid, mais il y a du soleil. On va jouer donc ensemble du 10 au 18. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, bah, faites-le savoir. Vous savez comment. Et puis, on y va, c'est parti. On se retrouve direct sur le 10. Et bonne partie. Bien les amis, c'est la voix off qui prend le relais. Le vent qui traîne depuis ces derniers temps rend complètement certaines scènes inaudibles. Je vais donc faire au mieux pour vous commenter les scènes. On commence tout de suite sur ce trou numéro 10 avec un drive qui est pas trop mal envoyé, mais un effet draw un peu trop prononcé qui va envoyer la balle dans le rough à gauche, qui n'est pas évidemment le sens naturel du trou, mais c'est pas mal. Bon, donc vous voyez, pour ce deuxième shot, ça me paraît assez clair hein, ce qu'il faut faire. Un petit shot, une petite balle basse en draw. Donc là, moi, je vais la jouer basse. Et vu que j'ai plutôt un effet naturel, vous le savez si vous regardez mes vidéos, de gauche à droite, ça devrait le faire. Allez, on va tenter ce shot. Je pense que je vais sortir un... Donc 52. Et on va la faire un peu rouler. Bon, clairement, on va pas se mentir, c'est pas l'approche du siècle. Le toucher n'était clairement pas au rendez-vous. Une approche qui va donc me laisser un putt assez long, d'une dizaine de mètres, mais que je vais plutôt bien négocier. Puisque je vais me laisser un deuxième putt donné pour un bogey. Trou 10 handicap 1, ça se prend tous les jours. Ok, donc sur ce par 3, je vais jouer un fer 7 pour moi. 150 mètres, je vais jouer un fer 7. Elle sera peut-être un peu courte. Je suis pas très chaud. Je pourrais jouer fer 6, mais je sens bien le fer 7. Bah écoutez, je suis plutôt content de ce départ. Je suis pas green. On va pas avancer, mais bon. On va dire qu'elle est presque autour de drapeau. C'était la bonne canne, j'aurais peut-être pu prendre faire 6, mais je sentais bien le faire 7. Vous savez, au golf, il vaut mieux rester sur ses sensations premières. Allez, ce sera le putter pour moi. Et cet enchaînement de deux bons putts me font faire le par sur ce trou numéro 11, ce qui est une très bonne chose. Ok les petits putts. Alors on est sur ce trou numéro 12. Handicap 5. Effectivement, comme le disait mon acolyte à l'instant, handicap 5 pour ce trou numéro 12 de 307 mètres, qui est un trou que je qualifie de technique, dogleg gauche. L'objectif est ici évidemment de faire un joli draw, et c'est parti! Ça fait un peu fête foraine, c'est parti! Mais elle est bien partie. Mais alors, on la retiendra pas celle-ci, tiens. Allez. C'est parti. J'aime bien les. J'aime bien les blagues qui durent un petit peu là sur la durée. Et c'est l'exemple parfait. On va pas se mentir, c'est un joli coup.
mais le résultat, lui, est parfait. J'aurais difficilement pu espérer mieux sur ce coup et sur ce trou. Allez, un petit coucou, un petit super et c'est parti. Et c'est plutôt un bon coup de wedge. Malheureusement, elle ne tourne pas comme je l'aurais voulu à gauche. Elle va rester sur sa ligne toute droite, donc elle finit sa course à quelques mètres à droite du green, mais c'est un bon coup. C'est donc le wedge que je sors du sac, un petit 52 degrés pour une approche avec un lie qui, ma foi, n'est pas terrible. Néanmoins, l'approche, je trouve, est plutôt correcte, même si effectivement j'aurais préféré qu'elle soit plus courte que longue. Comme vous pouvez le voir sur la position de la balle, c'est quand même une balle qui finit à 2,50 m du trou, malheureusement, plus haute que le trou, donc ça me laisse un putt en descente. Ces putts en descente, ils ne sont jamais évidents à négocier. Toi-même, tu sais, petit Jedi du golf. Je décide néanmoins de l'envoyer bord droit pour qu'elle finisse bord gauche. Je suis plutôt chanceux sur ce trou puisque c'est exactement ce qu'elle fait, ce qui me permet d'assurer le par, ce qui est une très belle opération sur ce trou compliqué. On va être gelé, quoi. Même ça, ça me tire la peau. Je suis comme ça. Bon, allez. Trou numéro 14. Trou numéro 14, je crois, il me semble, je sais plus, je crois que c'est un par 5. Tout droit. Un par 5 tout droit. Il faut s'accrocher la première balle. Et je pense que si tu s'accroches la première, de mémoire, tu as une bonne opportunité. Opportunité. Désolé, hein, ça varie plein de fois parce que là, j'ai une belle opportunité de toucher en deux ce green, ce par 5. 406 mètres, c'est parti. Celle-ci, les potes, elle est bien s'accrocher comme il faut. Elle est bien envoyée. Mais un petit draw un peu trop prononcé. Qu'est-ce que j'aime jouer le matin, tôt. C'est tellement plaisant. Soleil levant, là. Les deux sont très cool. Hein. Soleil levant, soleil couchant. Entre les deux, c'est... moyen, quoi. Voilà, c'est utile, hein, il fait jour, donc on y va. Mais... ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais prendre un fer 6, mais que je vais jouer un demi-coup. Je vais la faire rouler parce qu'après ça descend. Et je vais me dire que si j'atteins le green en 3, bah, ce sera très bien parce que je suis pas non plus placé de façon optimale. Donc on va jouer l'humidité. On va faire rouler un fer 6 et on va voir ce que ça donne. C'était le shot que je voulais sortir. Elle a bien tourné. Maintenant, après, elle a pris la pente. Donc, je pense qu'on sera pas mal, les amis. Bon, donc, comme je vous le disais, je suis pas mécontent de ce shot. Après, elle est pas donnée parce que j'ai un bunker en fait qui me gêne l'ouverture sur le green. Donc, je vais être obligé de lober, hein, une petite balle avec mon 60 degrés. Et je vais viser la partie gauche du green. Je vais la jouer en sécurité. Je vais pas aller jouer le diable. On va viser un peu à gauche du green.
un pote vraiment mal négocié en descente, une pente mal anticipée, qui me laisse un second pote bien trop important, mal géré également, et je prends la sanction 3 putts. Et après ce 3 putts des familles mal gérées, on se retrouve au trou numéro 14, par 4, handicap 3, qui je trouve est un peu, qui se mange un peu à la même sauce que le trou numéro 12, à savoir un dogleg gauche assez serré, qui laisse malgré tout un peu plus de dégagement à droite pour les amoureux du slice et du fade. Mais c'est tout de même un trou que je considère vraiment technique à attaquer. Au drive, il faut pas se louper et pas s'écarter. On y croit, on est beau, on est fort, on envoie fort. Ça, c'est la théorie. Allez, c'est parti. C'est pas un top drive, hein. Mais on va dire qu'elle est en vie et on va dire que le résultat n'est pas si mauvais. Donc moi je me suis mis sur la partie droite. Vu qu'elle a légèrement fadé, c'est pas un mauvais shot. Hein. Je me suis un peu relevé, j'ai senti mon pied se relever un petit peu. Du coup, elle n'est pas partie du tout comme je le souhaitais, mais plutôt à l'inverse. Mine de rien, je m'en sors pas trop mal. Je suis à droite du bunker. Je sais pas si j'aurai une ouverture, honnêtement. Mais bon, déjà on est là, quoi. Ah, faire 7. Je m'en sens pas trop mal. Elle est pas mal. Bon, de toute façon, j'ai pris que mon putter avec moi. Donc, on va faire l'approche au putter. De toute façon, comme dit Rina, golf, le putter, c'est la vie autour du green. A-t-il tort, a-t-il raison? C'est ce que nous allons voir d'ici quelques instants. Là, je t'écouterai plus jamais. Allez, pour le pas. Allez, c'est ça que je dois rentrer. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut que je travaille. Alors, qu'est-ce qu'il n'était pas bon là? Est-ce que c'est le coup de le premier putt que j'aurais dû jouer avec un club, avec un fer? Est-ce que c'est mon deuxième putt qui est pas bon? Comment vous l'auriez joué, vous, cette balle? Par 3, handicap 11, de l'eau à gauche, on n'y va pas. Tout droit, de bunker à droite, on préfère être dans le bunker que dans l'eau. 58 mètres, ça se réchauffe. Je vais jouer un fer 6 parce que le green est profond et que je préfère être un peu long qu'un peu court.
prévu. Un trois quarts de coup de fer 6 qui s'est bien. Donc je suis pas mécontent. J'aurais pu l'attaquer au fer 7. Mais bon. Avec des si 15, 17, 18 en fait tourne autour de cette flotte. Donc on l'a en fait à l'arrivée du 15, on l'a à l'arrivée du 17, on l'a au départ du 18. Enfin, quand je dis au départ du 18, théoriquement elle n'est pas en jeu. Hein. Si vous jouez. Ah tiens, je suis pas sur le grain. Je suis sur la fringe. Allez, cette fois-ci on va jouer les techniques, on va pas prendre le putter. Ça fait un peu long là quand même. Donc on va jouer une approche roulée. Ça monte, c'est parfait. Ok, bon, c'est plutôt une belle approche. On va la jouer en douceur, celle-ci, parce qu'elle n'est pas donnée. Bon, et ben c'est pas de chance, ça fera bogey. Bon, là, j'avoue, je suis un peu déçu du résultat. De prendre bogey après une belle approche, mais bon, malheureusement, elle était un peu. Elle était un peu longue, cette approche. Ouais, c'est une belle approche, mais disons que ça m'a laissé un putt en descente, donc je ne me suis pas facilité la vie. Voilà, on va dire ça. Après, le putt en descente, il n'est pas mauvais, mais je joue bord gauche parce que je pense que c'est là qu'il faut la jouer. Comme ça. Allez, c'est bogué, on prend. Allez, trou numéro 16. C'est un par 4 assez court. Là, je vais tenter de jouer un drive quand même, parce qu'il faut que j'attaque. Et je vais le cutter un peu pour jouer en fade. Et on va voir ce que ça donne. Elle est parfaite. Content, celle-ci elle est bijoux les potes. Après ce joli drive pris vraiment pleine plaque, je me trouve vraiment au milieu de la piste. Il va me rester 40 à 45 mètres, donc là je sors mon lob wedge. Objectif, on se rapproche le plus près du mât. C'est green. Il va me rester 3-4 mètres. On va jouer le par, écoute. Hein. Ils sont costauds les drapeaux là. Je suis en train de me dire que quand même c'est. Ils sont quand même costauds ces petits drapeaux là à la canoë en ce moment. Je la voyais bien rentrer celle-là. C'est un par, c'est un bon par. Je suis content. Bon les amis, après ce par bien amené sur le trou numéro 16, je me retrouve sur le trou numéro 17, qui est un long par 5 handicap 9, qui est un peu mon trou noir sur ce parcours de la canoë Hardy-Lose. Je trouve plutôt coquin ce trou. Vous me direz si vous connaissez ce parcours, le score que vous faites en général sur ce trou. Mais moi, personnellement, je trouve plutôt coquin. Et c'est un trou, malgré le fait que ce soit pas le handicap le plus compliqué. Moi, si je prends par ou bogey, je prends. Elle est bien partie, mais... Elle est partie. Elle est partie tout droit, bien à droite, quoi. Bon. Mais c'est pas un trou vraiment de chance pour moi à chaque fois, je sais pas. Même en compète et tout, celui-ci. Il doit y avoir quelque chose psychologiquement qui se passe, là. Les gaillards. Et ça se passe pas des masses bien.
sais pas pourquoi j'ai cet accent belge en plus horrible. Je suis désolé, en plus j'ai rien contre les Belges. Je sais pas pourquoi, c'est avec le stress. C'est le stress de la caméra. Ok. Ok, donc là, le shot c'est quoi? Je fais un fade de 271 mètres, un peu en cut, pied gauche, green 1 mètre, ça boite, il gueule. Pas du tout, c'est faux. Je vais faire ce que je peux, les copains. Je pense que je vais la replacer, faire 7, vous voyez, sans déconner. Et une ouverture, faire 7 tout droit. Je vais m'avancer au max, et puis il me restera un troisième shot. J'ai eu peur d'en mettre trop avec l'adrénaline. Je suis plutôt très content de ce shot, se faire 5 petites bombes envoyées presque à 180 mètres, donc je suis plutôt très satisfait, ça va me laisser une petite approche. Alors vraiment en ce moment mon point d'or c'est ça, j'ai pas du tout de confiance sur les approches, vous voyez à 5 mètres, c'est-à-dire que j'ai toujours peur d'en envoyer trop, faut vraiment que je me focalise là-dessus. Donc évidemment, bah, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas en confiance au golf? Eh ben, on va faire une gratte ou on va faire un topon, et là carrément j'ai gratté, donc clairement j'ai pas fini là où je voulais, et donc... Malheureusement, je prends bogey. C'est comme ça, on prend et on passe au suivant. Ok, je vous amène avec moi sur le chemin de ce trou numéro 18, avec cette magnifique vue sur le lac de Genève et son fameux jet d'eau à plus de 40 mètres, extraordinaire. C'est incroyable de voir ça ici à Lacchiano, c'est juste sublime. Je disais quoi? Je disais qu'on se retrouve sur ce trou numéro 18, le dernier de l'Ardilouze. C'est également un par 5. À l'Ardilouze, on finit par 2 par 5. Celui-ci est beaucoup plus abordable en 2. C'est un par 5 handicap 17, vous voyez, de 410 mètres, qui, si vous avez le vent dans le dos, est largement prenable en 2, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. Je vais tout de même envoyer une belle praline, plutôt bien prise, pleine plaque, qui a fait la distance, mais malheureusement j'avais vraiment le vent contre ce jour-là, donc j'ai quand même perdu pas mal de distance. Malgré tout, comme vous pouvez le voir, je me retrouve plutôt très bien placé. Je vais sortir un club que je sors peu, qui est mon hybride, un hybride 3, ça va être un 19 degrés, c'est un Titleist 918 je crois, je ne sais plus exactement. Ça va plutôt être un très beau shot, j'en suis vraiment satisfait parce que c'est pas un club que je sors très souvent. Bon, non, pas exactement. Je suis un peu enflammé, mais le shot était là, je suis très content. Bon, on peut pas dire que j'ai l'air de me faciliter les choses. J'ai un peu niqué mon approche là. Du coup, il me reste un putt en descente assez lourd. Ça, c'est le putt qu'il fallait rentrer. Ok, les petits potes, et ben c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes restés là jusqu'à la fin pour voir ce plus 5 au golf de l'Ardilouze. On est plutôt contents. Des bonnes mises en jeu, un bon jeu de fer, des approches et un putting à bosser, ça c'est clair et net. En tout cas, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à le dire. J'espère que vous aurez pris un gros kiff à regarder ce vlog. On se retrouve très vite. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao !